commencer par là, n'engage pas l'ensemble du peuple congolais. C'est un accord privé entre les gouvernements et les CNDP, s'il vous plaît. D'abord, vous de la presse, vous n'avez jamais écrit ça ou dénoncé cela. Est-ce que le 23 mars 2009, le M23 existait? C'est le CNDP qui avait signé l'accord, oui ou non? Donc, s'il y avait évaluation à faire, ça devait être entre le CNDP signataire d'un côté et le gouvernement de l'autre côté. Par quelle magie nous sommes arrivés à l'évaluation de l'accord? Le gouvernement avec sa délégation, dans laquelle on trouve le président du CNDP, s'il vous plaît, le sénateur Mwanga Tchoutchou, lui dit qu'il n'y a pas de problème. Lui, le signataire de l'accord du 23 mars. Il est membre de la majorité. Le CNDP est toujours membre de la majorité jusqu'à ce jour. Et les députés du CNDP ont été validés pendant la guerre. Pendant que l'accord du 23 mars, il faut commencer par là.